L'ange du Seigneur annonça à Marie. Réponds, Seigneur, ta grâce en nos cœurs, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé, nous soyons conduits par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ notre Seigneur.
ange, Seigneur, je l'ai dit, c'est d'observer tes paroles. De tout mon cœur, je guette ton regard. Pitié pour moi selon tes promesses. J'examine la voie que j'épuise. Mes pas me ramènent à mes exigences. Je me hâte et ne tarde pas d'observer tes volontés. Les pièges de la nuit m'environnent. Je n'oublie pas ta voix. Au milieu de la nuit, je me lève et te rends grâce. Des justes décisions. Je suis lié à tous ceux qui t'accueillent et qui observent tes préceptes. Ton amour, Seigneur, emplit la terre. Apprends-moi tes commandements. Gloire au Père et au Fils. Avec un grand cri et des larmes, il priait celui qui pouvait le sauver de la mort. Avec un grand cri. Écoute ma prière, n'écarte pas ma demande. Exauce-moi, je t'en prie, réponds-moi, inquiet, je me plains. Je suis troublé par les cris de l'ennemi et les injures des méchants. Il me charge de crimes pleins de rage, il m'accuse. Mon cœur se tend. Un des tremblements de tes lèvres, un frisson me saisit. Alors j'ai dit, qui me donnerait.
De la lettre aux Romains. Le Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais comme il est écrit, les insultes de tes insulteurs sont tombées sur moi. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, nos douleurs qu'il a supportées. Prions le Seigneur. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection par le Christ notre Seigneur. Amen.